casse de la vache de l'avenir. Eh bien, elle est affrontée par le Mathieu. Champion de France des vaches sans corde, puisqu'il s'est succédé à lui-même il y a quelques jours de cela dans les arènes de Guéboucau, Mathieu Nourès. Allez Mathieu, on te demande si tu peux la même réussite qu'il y a à Saint-Louis. Et un premier contact avec cette coursière. Et voyez, le grand spécialiste, le Mouscardès. Balance à gauche, balance. Elle est jolie, non? Ouais. Et on peut saluer le courage de ce garçon. Attention. Autoconstruction, maçonnerie à Saint-Gerre. Les sponsors pour cette sortie, Josette Roméjou, jouet câble pêche. Et bien là c'est l'intervention du sauteur Manu Lataste qui veut prendre ce saut pour Marie-Sara. Et un magnifique saut périodrier. Marie-Sara pour toi, Manu, et un excellent passage pour Mathieu Nogues devant cette très belle pensionnaire de la Granaderia de Michel Aguina, couleur jaune et noir. Et car sur le saut, et la réussite en prime pour Mathieu Nogues, le champion de val de France des vaches sans corde, un grand spécialiste de cette discipline. Allez Mathieu, qu'est-ce qu'on peut te demander, la grande réussite? Le brindis à tout le public du champion de France des vaches sans corde. Allez Mathieu, alors là la grande classe du torero de Mouscardès. Quelle c'était la huitième figure. Il semblerait que Manu se prépare pour un saut supplémentaire au-dessus de cette belle pensionnaire de la Granaderia de Michel Aguina. Et bien la réussite pour Manu.